Yo les gars, nouvelle vidéo. La vidéo du dimanche récompense Fut Champions. Fut Champions qu'on a fait en entier, les gars. On a terminé en 15-5. Je l'ai fait en entier parce que y a les objectifs là avec le nombre de victoires. On arrive à la fin. J'avais fait 11 les deux premiers. Je m'étais arrêté à 11. Et je crois qu'il faut faire 50 victoires en 4 Fut Champions ou en 5 Fut Champions. Je sais plus. Je crois que c'est en 4. Du coup, 11-11-22. Là, faut que je fasse 14, 14, 28, ça fait 50. Donc là, fallait que je fasse 14, j'ai fait 15, les gars. Donc voilà, l'objectif, il est atteint. Du coup, récompense, les gars, on a un pack 3,85, un pack Jumbo, un pack Ultime, un pack Mix Campagne Fodder et 3 cartes. Je vous fais un petit pack vite fait. Je vous montre l'équipe avec laquelle j'ai joué. Elle a un peu changé, les gars, par rapport à la dernière vidéo. J'ai fait un live entre-temps, donc les frérots qui étaient là sur le live ont vu. Regardez, elle est là, elle est présente. Donc Donnarumma dans les buts, qui, on espère, va bientôt évoluer encore. Il est déjà passé à 90. On espère qu'il va passer à 91. La défense, les gars, le tissier, la petite craque, les gars, la petite trouvaille que j'avais packée en invendable. Elle était à 88 de gêne. Je l'ai fait évoluer 75 000 crédits, les gars. Et elle est passée à 90. Elle a une sacrée, sacrée, sacrée belle carte. Elle est vraiment très forte. Elle n'est pas grande en taille, mais bon, à côté, il y a Van Dijk qui fait 3 mètres, donc ça suffit. Elle a 4 et 4, en relance, c'est parfait. Moyen élevé, super rapide, super fort défensivement, super fort. En dribble, la réactivité, c'est important. Et un gros physique avec beaucoup d'endurance. Avec aussi un playstyle très très important, les gars, celui-là, anticipation plus. Donc franchement, elle est validée. Les côtés, ça bouge pas. Le milieu, ça bouge pas, les gars. Bruno, Kimmich. L'attaque, ça bouge pas. Zizou, Zico, Eusebio, Tevez. En attendant de packer mieux, parce que pour l'instant, je pack pas mieux. J'ai joué un match, les gars, j'ai perdu 5-1. Le mec était meilleur, hein, il n'y a rien à dire. Moi, Puteyas, elle est en prêt. Hein, je ne l'ai même pas fait rentrer, les gars. J'aurais dû la faire rentrer. J'ai perdu 5-1, les gars. J'ai pris un, comment on dit, un quintuplé par ce mec, les gars. J'ai regardé sa carte et j'ai compris pourquoi j'ai pris un quintuplé. J'ai pris 3 buts de la tête. Le mec, il faisait que ça. Il courait avec des flèches sur le côté. Il avait Mbappé et sur l'autre côté, il avait un mec qui va caler super vite aussi. Je sais plus, une carte évolutive. Il faisait des centres et il m'a mis 3 buts de la tête. Donc il a 4 et 5. Il est grand. Et regardez la carte. Réactivité 99, calme 93, force 98, précision de tête 99, détente 98. Ok, c'est injouable, les gars, en fait. C'est injouable. Il a massacré ma défense, mon Van Dijk et tout. Il était trop fort, le mec. Du coup, j'ai fait son SBC, les gars. C'est une équipe à 83 avec un boost. Donc c'est donné. Si vous pouvez le caler en titulaire, je l'ai fait rentrer une fois seulement. Parce que voilà, c'était le dernier match. J'avais la haine. Je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Je vais le faire rentrer. Il a eu le temps de faire sa petite remise de la tête et Eusebio, il a fini. Et en fait, il est vraiment très fort, les gars. Après, il faut le caler. Je pense pas que ça soit dur, les gars. Hollandais à caler, ça doit être assez facile avec les icônes. Donc voilà, les gars, c'est un petit conseil. Si vous voulez le mettre en titulaire, le De Jong, là, c'est plutôt pas mal. Voilà, les gars, du coup, on est parti. C'était la petite anecdote, les gars. De prendre un quintuplé par un De Jong, les gars, ça marque. Tu vois, tu t'en souviens. Donc, récompense, tag boutique. Il y a la deuxième équipe fantasy, qui est vraiment pas mal. Après, voilà, on va pas dire j'espère packer si ça, parce que bon, c'est qu'un jeu, c'est que de la chance. Et de toute façon, ça va rien changer, même si je pack Eusebio mixé avec Mbappé, Totti, etc. Les gars, je vais pas avoir de réaction, parce que voilà, vous savez ce que je pense du jeu. Mais bon, des cartes bleues, ça fait toujours plaisir. Donc pourquoi pas, les gars. C'est parti. Première carte. Les gars, c'est 84 plus. Hein, et j'ai 3,84. Hein, et un 85 que j'ai déjà. Du coup, on va pas prendre le doublon. On va prendre Llorente. Deuxième carte. Ok. Bah, franchement, eSport continue. Vas-y, attends, je vais ouvrir la bouche. J'ouvre la bouche et vas-y, pisse-moi dessus. Continue comme ça. C'est bien parti. Sané, et on va faire un triple 84 ou pas? Moi j'y crois, les gars. Allez, triple 84. Non, dommage, 85. Donnarumma, les gars. Donnarumma que j'ai en version régulière, que j'ai en version boost et que j'ai en version fantasy, là. Il m'aime beaucoup, Donnarumma, mais je l'aime beaucoup aussi. Après le match qu'il a fait, là, contre Monaco, encore un très, 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 très grand gardien par la taille et par le talent, les refs. Donc, les récompenses, pack ultime, pack jumbo. Pack Mix Campagne, pack 3,85, c'est pas la folie, les gars, mais bon, on sait jamais. On commence par le Mix Campagne, c'est du vert,
Croatie, DC, ça va être éclaté au sol. City. Ah, c'est Kvaratskhelia, c'est ça? Ok, Kvaratskhelia, 86. Ouais, pourquoi pas, les gars, mais peut-être pas mal. Après, que 86 de gêne, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu dommage. Voyons vite fait la carte. Ok, bien. Ah ouais, non, réactivité calme, c'est pas possible, les gars. Ce stade du jeu, 82-78, c'est clairement pas possible. Tout le monde a Cruyff, tout le monde a Eusebio, tout le monde a Mbappé. Faut un défenseur un peu plus fort. Deuxième pack, pack jumbo joueur rare. Est-ce qu'un jour on va avoir des packs à 100K et à 125K qui valent le coup, tu vois? Il y en a marre qu'on nous donne des 84 et tout. Tu comprends? Non, il comprend pas. Il comprend pas, les gars. Ça continue. Ça continue ce jeu de merde, les gars. Des joueurs de Fenerbahçe dans un pack à 100 000. Edin Dzeko 83 dans un pack à 100 putain de 1000 crédits. Donc, un pack traduction à 20 euros, on me donne un joueur à 750 crédits, voire 800 crédits. C'est trop, trop bien ce jeu, les gars. Ok, Eriksen, tac. Voilà, les joueurs éclatés au sol qui servent à rien. Vous savez quoi, les gars? Allez hop, vas-y, récupère 14K. On met tout en vente rapide, rien à foutre. Deuxième pack. Franchement, les gars, c'est abusé. Tu sais, je veux bien, mais. Tu sais, en fait, tu devrais faire des packs à 100K, genre 86 garanties, au moins unanime, tu vois. Sinon, autant ne pas faire fut champion, les gars. Si tu fais fut champion, tu fais des 14, des 16, des 18 et tout pour avoir des 83, ben, autant pas jouer, en fait. Autant jouer en match amical, faire de la merde comme ça, parce que franchement, ça sert à rien, les gars. Je trouve que ça sert à rien. Pack ultime. Ah là, ça continue, les gars. Pack ultime, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Jirelli 86, waouh. En mode, vas-y, apparaît en mode t'es une craque, je sais pas t'es qui. Vas-y, ensuite, c'est qui derrière? Lautaro Martinez, ok. Bon, il y a deux animes, les gars. Il y a 20K. On va pas se plaindre. Et encore 20K, je suis gentil, je pense. Il y a 15K, non? Combien ça coûte? Ouais, ça a remonté un petit peu avec les SBC, ok. Donc, il y a Lautaro, ok. Ah, le reste, c'est claqué, les gars. On va mettre tout ça en VR. On va juste garder les gros notes, les grosses notes pour les SBC, voilà, à partir de 82. Ouais, trois améliorations éclatées. 3 player pick éclatés, pardon. Pack Miss Campagne éclaté. Pack à 100K éclaté. Pack Ultime moyen éclaté. Pack 3 joueurs 85. Non, pas de bleu. Oh là là, Chesney, ça pue la merde. Oh là là. Eh ben voilà, les gars, les pires récompenses. Pires récompenses, les gars. Tu forces pour faire un bon ratio, mais en fait, le 11, tu le fais en 1h30, 2h et ça suffit largement en fait. Je me rends compte que peut-être que la semaine prochaine, je ferai le dernier 14 pour le gros pack là. Et après, les gars, le 11, je pense que ça suffit. Hein. La semaine dernière, en faisant 11, j'ai eu beaucoup mieux. C'est critique, les gars. Regardez-moi ça. Bon, il y a un petit boost, Boulka, qui va sauver un peu. Combien ça coûte? Ouais, 30K. Voilà, les gars, c'était les récompenses futures. On se retrouve comme d'habitude très, très, très bientôt. Ciao les gars!